pour nous, c'est un beau projet qui a beaucoup de sens, qui participe à la dynamisation du centre-ville. On est très heureux de pouvoir y prendre part. C'est intéressant parce que ça fait avancer la ville et ça va dans nos valeurs de contribuer à la redynamisation, à la revitalisation des centres-villes. Évidemment, on apportera notre touche. On a des idées, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de décoration, que ce soit en termes d'enrichissement de l'offre sur la rue. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je pense que apparemment, c'est des gens qui sont spécialisés dans le centre-ville. Donc pour nous, c'est hyper important puisque le but de la rue des Arts, c'était vraiment de redynamiser le centre-ville de Toulon. Donc, à nouveau, on est cet esprit à la fois artisanat, artistique, tout confondu, quel que soit le... Voilà, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, en fonction du Covid, tout a changé, bien évidemment, mais on a besoin aussi d'un souffle parce qu'on a beau se réinventer comme on nous le demande, on a beau essayer de trouver toutes les opportunités pour être visible, mais on a aussi besoin du souffle d'une personne qui, je l'espère, sera à l'écoute. Du soutien, on attend aussi, on sait très bien que la rue a encore pas mal de chemin à faire, mais on attend vraiment de continuer, surtout de continuer, de poursuivre la dynamisation du quartier. Alors évidemment, en pleine période de Covid, c'est compliqué de pouvoir proposer des événements, je l'entends bien, mais c'est vrai que trouver peut-être d'autres solutions ou d'autres animations qui permettraient à la rue de continuer de vivre.